Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on finit notre let's play de Darksiders 2, en tout cas je l'espère. Il ne doit nous rester qu'un seul boss, et il va arriver rapidement. Bon bah écoutez, j'ai pas eu le courage de monter level 22, il faudra peut-être que je le prenne, puisque de toute façon, j'ai essayé le boss et je me suis fait poutrer, donc on va le tester comme ça. J'ai pris des potions, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. On va voir si le boss passe, espérons. S'il ne passe pas, et ben effectivement il faudra faire autre chose. Allez, on est parti, et je me tais. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, contrairement aux autres, la corruption n'avait aucune influence sur toi? Serait-ce parce que la trahison a déjà noirci ton âme? Comment peux-tu vaincre ce qui gronde dans ton propre cœur? Tu ne peux pas m'arrêter sans te damner à jamais! Je vais prendre le risque. Mon pouvoir te dépasse.
main, encore une fois, mon frère. Face au puits des âmes, sans aucune idée de ce que je dois faire. C'est à la fois simple et très compliqué. Épargnez-moi vos énigmes, vieux Corbin. Le pouvoir du puits peut restaurer le royaume des hommes, ou ramener les Néphilim à la vie. Mais sache que choisir l'un condamnera l'autre à jamais. Mon frère War, sa rédemption passe avant tout. Ramener l'homme sur Terre exigera un sacrifice. Ainsi, la mort donna la vie, et les graines de l'humanité furent replantées. Mais d'autres épreuves attendaient-elles. Sur la Terre, son frère War avait vaincu le Destructeur. Tu seras traqué par la Cité Blanche, par le Conseil et par beaucoup d'autres. Tu comptes mener cette guerre seul ? Non. Pas seul. Il avait brisé le septième sceau, invoquant les cavaliers de l'Apocalypse. Et ces cavaliers seront toujours au nombre de 4. Et bien voilà, ça y est, le jeu est fini. Bon, c'était un éternel recommencement. War revient, Death revient aussi, même s'il meurt, il se sacrifie pour sauver son frère. Après, qui est-ce qui sauve vraiment? Parce que on a du mal à comprendre en fait. Surtout quand on voit l'épisode 3 où War est enchaîné. On a du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé après, s'il a été sauvé ou non, hein, parce que sa rédemption, ça disait rédemption, mais ça ne disait pas forcément le fait que War était mort avant tout, donc je sais pas, pour bien le savoir, il faudrait que je refasse le 1, je me souviens plus trop de sa fin, je sais qu'il battait effectivement, qu'il battait le Destructeur, et je sais qu'il y avait une période où il disparaissait en fait, il partait, il revenait. Est-ce que c'est ça la rédemption? Est-ce que c'est le fait que Death soit intervenu qui fait qu'il a la possibilité de se sauver lui-même, hein? Excusez-moi, c'est un petit hoquet. Bon, dans tous les cas, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce let's play, même si il aurait mérité un peu moins de trouver 3 items pour trouver 3 autres items, pour trouver 3 autres items, pour trouver de nouveau 3 autres items. Hein, vous voyez bien de quoi je veux parler pour ceux qui ont suivi le let's play. Ça c'est un peu dommage, ça fait un petit côté Zelda mais poussé dans ses travers histoire de démontrer peut-être ce qui peut être lassant dans Zelda. Bref, en tout cas c'est un très très bon Zelda-like de qualité, vraiment très beau. Et puis alors là, magnifié par la 4K là, sur PC, c'est superbe. La version remaster est magnifique. Quand on voit les jeux qui sortent maintenant et quand on voit ces jeux-là, on se dit que, ouais, pas une telle évolution que ça en fait. Hein. Il y en a une, évidemment, il y a des très très beaux jeux maintenant, mais pas tous. Et puis celui-ci était déjà magnifique et c'est pas le seul hein, dans son... à son niveau, dans ces périodes-là, il y a
très très beaux jeux qu'on trouvait un peu bizarres sur les consoles de l'époque, parce que bah voilà, on était même pas en 1080 pour certaines. Maintenant qu'on a poussé le tout sur de la 4K sur PC, c'est magnifique. D'où l'avantage d'avoir un PC. Hein. Moi qui suis un pro de la console, depuis que j'ai un PC, je ne joue quasiment plus à la console. Hein. Même la PS5, je n'y touche plus. Du fait que tous ces jeux sortent exactement comme sur PC, sauf que soit on choisit les 4K, soit on choisit le 60 FPS, mais on n'a jamais les deux. Et donc c'est un peu triste quand même, sans compter qu'on a de la 4K, mais pas forcément avec tous les bonus graphiques mis à fond, alors que là, sur PC, on a la capacité de pouvoir le faire. Maintenant c'est vrai que tant que Sony continuera à sortir des exclusivités du style Demon's Souls qui m'a forcé à acheter la PS5, et ben on sera obligé de passer par là. Je vais donc vous laisser, arrêter de blablater. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Je sais que le let's play n'a pas été très suivi, mais en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je sais pas encore ce qui va prendre la suite, je n'en sais rien. Je vais essayer de trouver quelque chose, peut-être de moins long, je sais pas. Je vais regarder, je n'en sais trop rien pour le moment. Allez, je vous dis à bientôt. Seule, Lilith? Où sont mes Néphilim? Mon prince, je... La guerre ultime est sur nous. Mais au lieu de l'armée que tu m'avais promise, Death a restauré l'humanité. J'attends mon châtiment. Cette fois, Lilith, tu n'en tireras aucun plaisir.